Pour ceux qui aiment les vues contemporaines et urbaines, ce sont les derniers moments pour apprécier la Défense depuis l'ancien stade des Bouvets. La première pierre du Racing Arena Nanterre La Défense a été posée ce lundi à deux pas de la Grande Arche. Le stade de rugby couvert du Racing Métro, modulable en salle de spectacle, devrait être livré en décembre 2016. Un beau bébé en gestation. Oui, on peut le dire un peu, parce que ça fait avec un accouchement de 5 ans, il est bien fait, il est bien rond. Bon, j'ai un peu de mal à réaliser. Mais quand je me retourne vers l'Arche de la Défense, c'est sûr que, et les immeubles qui l'entourent, c'est sûr que ça valait le coup de se battre et, voilà, et donner toute son énergie. J'aime bien transmettre, j'aime bien faire, j'aime bien construire. Et j'avoue que là, à chaque fois que je viens sur le terrain, à cet endroit-là, je suis un peu bluffé, quoi. C'est vrai que ça sera énorme. Ce devrait être énorme aussi pour les joueurs qui ont déjà hâte d'y être. En tant que sportif, c'est quelque chose d'extraordinaire de jouer dans un stade aussi... pas grandiose, mais quelque chose qui va se faire pour la première fois en France. Un terrain couvert surtout, ça va être une première et ça on a hâte surtout de découvrir tout ça. Pour les matchs en hiver, ça va être plus sympa. Bon, ça sera la même chose pour nos adversaires, donc forcément voilà, on sera dans les mêmes conditions, mais ça va nous apporter quelque chose de fantastique, en tout cas pour la qualité du jeu, j'espère, du rugby. Et en tout cas pour les spectacles aussi, c'est quelque chose de fantastique. Il a construit le mur, Patrick. Oui.